Petit retour du boulot. La batterie lithium était éteinte à la moitié. Et là, elle va prendre une petite claque entre l'allumage du chauffage et du cuiseur de riz. 36 ampères de consommation immédiate, c'est-à-dire dans les 460 watts. Ça prend une petite claque, quoi. Et vous voyez là, la capacité, c'est-à-dire tout ce que c'est en train de consommer, ça monte en flèche puisque je viens de le réinitialiser. Et comme ça, à la fin de ma cuisson de riz, je vais pouvoir voir combien d'ampères ça me consomme exactement, combien de watts. Et voilà, retour du boulot, ça fait plaisir quand même de pouvoir compter sur une batterie qui a été rechargée par le beau soleil qui fait ces derniers jours. Et voilà, la cuisson du riz est terminée, je viens de couper mon convertisseur de 130 volts. On voit donc on n'a plus que 1 ampère, 1 ampère 5 de consommation d'électricité par le chauffage et la bande LED et 4 broutilles. Et j'aurais consommé aux alentours des 12 ampères heure, c'est-à-dire un équivalent de 158 watts pendant une vingtaine de minutes, grosso modo, pour faire cuire mon riz. Donc voilà une idée de ce que ça consomme réellement ce type de cuiseur. D'ailleurs, c'est un premier prix qui marche très très bien. Je remercie ma Sista qui me l'a offert et qui, ben, tu vois, ma sœur, ça marche y compris dans le fourgon. Donc ça me fait mon plat préféré. Voilà. Allez, assez discuté, c'est l'heure de manger.